Bonjour à tous et à toutes. Avez-vous regardé ces deux vidéos? Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous comprendrez mieux la vidéo d'aujourd'hui, qui est une conclusion des deux autres. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, la première, le film Grande Pyramide K 2019 a eu un impact conséquent sur notre perception des accomplissements de nos très chers ancêtres de la vallée du Nil. Cependant, j'ai aussi remarqué que beaucoup d'entre nous n'ont pas remis en question certaines explications données par l'auteur Femi Krasniqi. Des remises en question qui sont, ma foi, très basiques. Est-ce parce que l'auteur affirme que les Kamis étaient des Noirs? En fait, est-ce suffisant pour n'importe qui, et spécialement pour un locoderme, de dire que les Kamis étaient des Noirs pour que nous acceptions tout ce qui est dit par la suite comme vérité écrite sur pierre? Écoutez, nous savons déjà que les Kamis étaient des Noirs. Et à ce sujet, Femi Krasniqi ne nous apprend rien de nouveau. Au contraire, il confirme tardivement ce que nous savions déjà depuis des décennies. Mais sommes-nous si fragiles à l'intérieur? Sommes-nous si peu sûrs de nous qu'au lieu de dire « Ah bon, c'est maintenant que tu en parles ?» nous préférons sauter de joie parce que un locoderme nous a validés. Ou peut-être que les erreurs qui se trouvent dans ce film ne sont pas des erreurs, mais plutôt le reflet d'une vérité scientifique non élucidée jusqu'à ce jour. Nous allons le voir aujourd'hui. Voici la conclusion. Voici ce que Femi Krasniqi nous dit. Ruler of Egypt. Importantly, here we've got round that Sneferu, a child of Ra, came around to this place two times. Sneferu came to Australia two times. Voici ce que les archéologues et historiens européens nous disent. Mais il y a aussi les fausses écritures venant du site de Gosford en Australie gravées dans les années 70, visant à prouver la visite d'Égyptiens dans l'Antiquité. Ces hiéroglyphes n'étaient pas présents avant les années 70. Ils ont été remarqués que dans ces années 70, et le nombre de hiéroglyphes augmente régulièrement. Voici ce que je dis. Je dis qu'il n'y a absolument aucune raison de croire à la possibilité que nos ancêtres aient pu graver des hiéroglyphes sur ces rochers en Australie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de cette manière que procédaient nos ancêtres de la vallée du Nil. À chaque fois que nos ancêtres se sont retrouvés sur des terres étrangères et qu'ils ont voulu graver leur passage sur ces terres hospitalières ou inhospitalières, ils ont érigé des stèles, ils ont taillé la pierre et inscrit des hiéroglyphes sur des lignes droites et parfaites. Bref, ils ont fait preuve de leur savoir-faire ancestral pour marquer leur présence. Cela fait partie de leur tradition que nous retrouverons perpétuellement dans leur parcours historique. Mais quand je regarde ces hiéroglyphes sur ces rochers, je ne vois pas cette tradition millénaire. Écoutez, vous allez comprendre. Il y a aussi le fait que ces hiéroglyphes ne racontent aucune histoire. Pris individuellement, oui, je peux lire ce qui est écrit. Mais mis ensemble, il n'y a pas d'histoire qui est racontée. Ce ne sont pas des textes historiques qui nous disent, par exemple, à quelle date ils sont arrivés en Australie, d'où ils ont quitté, pourquoi ils ont voyagé si loin, quelles ont été leurs difficultés et quels ont été les peuples qu'ils ont rencontrés. Rien de tout cela ne se trouve sur ces rochers. Pourtant, c'est ce qu'ont toujours fait nos ancêtres de la vallée du Nil. Et j'ai la certitude que si nos ancêtres avaient réellement échoué en Australie, ils auraient fait comme partout ailleurs où ils sont allés. Ils nous auraient laissé une ou plusieurs stèles rédigées dans un ensemble de textes écrits dans une grammaire parfaite, dans des lignes verticales ou horizontales. En d'autres mots, ils nous auraient raconté en détail leurs aventures et leur histoire.
Bref, il ne se serait jamais contenté d'écrire que Sneferu est venu deux fois en Australie et placé des mots au hasard ici et là, un peu partout sur le rocher, qui ne nous donne absolument aucune information concrète. Pour faire simple, si nos ancêtres de la vallée du Nil étaient réellement allés en Australie, on devrait voir une série de textes, une iconographie imagée sur de la pierre taillée, quelque chose de propre, de droit, comme nous le voyons dans toutes les régions où ils ont voyagé. Mais ça, c'est un travail d'amateur. Comparer ces stèles historiques qu'ont érigées nos ancêtres de la vallée du Nil avec ce travail d'amateur. Et dites-moi si vous voyez une différence. Bref, tout ceci m'amène à dire que ces hiéroglyphes n'ont pas été écrits par nos ancêtres de la vallée du Nil, mais par un ou plusieurs amateurs d'égyptologie qui se sont amusés, ou plutôt contentés, d'inscrire des symboles ici et là un peu partout, sans tenir compte des traditions de nos ancêtres de la vallée du Nil. Mais vous savez quoi? On pourrait même penser que ce sont peut-être les aborigènes d'Australie qui ont écrit sur ces rochers. Mais ça, ce n'est pas possible. Les aborigènes d'Australie n'utilisaient pas ce genre de hiéroglyphes, mais plutôt des hiéroglyphes qui nous rappellent les débuts de l'écriture Kami, et qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à l'écriture qu'on appelle le Nzibidi. Ce qui veut dire que ceux qu'on appelle aujourd'hui les aborigènes d'Australie ont en fait quitté l'Afrique centrale à une période très très reculée de l'histoire, avant la création de Kama et avant l'avènement des hiéroglyphes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Sur le sujet du soi-disant granit que nos ancêtres de la vallée du Nil auraient fondu pour fabriquer les œuvres artistiques, voici ce que Femi Krasniqi nous dit. Avec une lentille de 5 mètres de diamètre, la température atteint 1800-2000 degrés. Les Égyptiens viennent de découvrir l'énergie solaire. Tout est fondu, rien ne résiste. Le granit fond littéralement comme de la lave immédiatement. Les Égyptiens vont couler cette lave dans des moules en argile. Et voici la fameuse statue de la 3e dynastie Ouni, le grand-père de Khéops en granit d'Assouan. C'est ainsi que les Égyptiens ont fondu toutes sortes de pierres. Du quartz, du granit, du schiste, du basalte, de la diorite, du gneiss, du gros waké. Voici ce que les archéologues et égyptologues Lecoderm nous disent. Donc là, je vais envoyer la puissance. Donc vous avez vu le caillou avant. Le caillou va fortement changer. On voit des gaz qui s'échappent. Donc il y a une partie de la matière qui est vaporisée. Voilà, vous voyez que notre granit extrêmement solide, dont on sert traditionnellement ici pour construire des maisons, ben, se transforme en liquide et coule comme le magma d'un volcan. On voit qu'il s'écoule. Voilà, je coupe la puissance. On voit la partie qui a chauffé qui reste rouge. Et au refroidissement, c'est ça qui est intéressant. On s'apercevra à la fin de la vidéo que le granit est probablement devenu du verre. Donc on a fondu du granit et on voit bien que ça ne ressemble plus vraiment à du granit. On va aller sur le deuxième morceau de granit. Voilà. On voit que le granit a coulé et a fait une jolie goutte de verre. Voici ce que je dis. Certains parmi nous qui semblent complètement perdus face aux preuves scientifiques apporté dans cette vidéo, préfère se réfugier dans des histoires réconfortantes de sorcellerie avancée, de connaissances perdues et de je ne sais quoi. Mais écoutez, la science, c'est la science, et elle reste la science, quel que soit le peuple qui la pratique. Et ici, que le granit soit fondu à 1700 degrés Celsius ou à 2000 degrés Celsius, qu'il soit fondu à l'air libre
ou dans un laboratoire, par un noir ou par un leucoderme, le résultat restera toujours le même. Le granit fondu ne peut pas donner du granit. Le quartz fondu ne peut pas donner du quartz. Le sable fondu ne peut pas donner du sable. Bref, la roche fondue ne peut pas donner de la roche. Ça donne soit du verre, soit de la lave. Regardez ce schéma. Lorsque l'on chauffe la matière solide, elle se transforme soit en liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion, soit en gaz, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Et c'est bien ce que nous voyons dans cette vidéo. Puis, lorsque la température baisse, la fusion devient solidification. Et c'est encore ce que nous voyons ici. Mais la solidification ne peut plus donner la matière de base parce que la structure moléculaire a changé durant la transformation. Ça, c'est une connaissance chimique des plus basiques. Et vos connaissances scientifiques sont très basses ou non existantes si vous ne savez pas cela. Donc, Konfemi Krasniqi affirme que l'on peut fondre du granit et obtenir du granit ou fondre du quartz et obtenir du quartz. Nous ne sommes plus sur Terre, nous ne sommes plus dans l'univers connu, car ce qu'il affirme n'obéit à aucune règle et à aucune loi de l'univers dans lequel nous vivons. Faites l'expérience de vous-même. Brûlez de l'essence et vous verrez si vous obtenez de l'essence. Brûlez du bois et vous verrez si vous obtenez du bois. Brûlez du coton et vous verrez si vous obtenez du coton. Au sujet de la construction des pyramides, voici ce que Femi Krasniqi nous dit. Le travail le plus pénible, c'est l'effritement du calcaire et le mélange pour en faire du béton. Les premiers coffrages sont en place. Environ 1200 ouvriers mélangent le calcaire avec le natron et la chaux dans les bassins. Ils se mettent ensuite en file pour transporter les paniers de main en main. Puis ils continuent vers le centre en suivant méticuleusement les cordes et le piquetage. La première rangée de pierres est coulée. Ils laissent l'assise ouverte à différents endroits. Ce sont des ouvertures pour laisser passer les fils des transporteurs. Une fois que la première rangée de l'assise a été réalisée, les ouvriers continuent à remplir l'intérieur avec du calcaire marron, moins joli que celui de l'extérieur. À l'intérieur, dans un premier temps, un bloc sur deux est fait avec des coffrages. Le lendemain, ils remplissent les intervalles. Voici ce que les archéologues et égyptologues européens nous disent. Nous savons d'où viennent les matériaux, d'où ils ont été extraits, comment ils ont été extraits, comment ils ont été taillés, façonnés, transportés. Donc nous savons, globalement, nous savons 90% du problème. Joseph Davidovits a effectivement émis une question dans les années 70-80 concernant la construction des pyramides. En gros, on repart toujours de la même question. À savoir, c'est très compliqué à faire ou c'est très long à faire, donc il y a forcément un moyen plus simple. Ils avaient sûrement un moyen qui leur permettait de l'économie d'énergie. La plupart des pierres de l'intérieur de la pyramide de Khéops sont des pierres qui font un mètre cube et demi. Bon, c'est lourd, mais c'est quand même relativement facile à transporter sur un traîneau. De toute évidence, les traces de carrière, les traces d'outils, de taille sur tous les blocs montre sans aucun doute possible que la théorie du béton ne s'applique pas en Égypte ancienne. Et voici ce que je dis. Je dis qu'il n'y a absolument aucune raison pour laquelle nous devrions faire un choix entre le géopolymère et la pierre taillée. Car il n'y a réellement aucune raison pour que ces deux technologies ne coexistent pas en même temps et ne soient pas utilisées en même temps dans la construction des pyramides. Pour moi, il est évident que pour construire les pyramides ou même les temples, il faut impérativement standardiser le travail répétitif pour le rendre plus facile, plus efficace et aussi plus rapide. Et c'est ce que vous faites déjà dans votre travail répétitif et quotidien. Et c'est ce que vous feriez également si vous travailliez dans la construction de bâtiments. Et les gouvernements Kami qui se sont succédés pour la construction des pyramides du plateau de Giza ne les ont pas construits avec des budgets illimités.
Et donc, il n'y a aucun doute qu'ils aient utilisé tous les moyens technologiques et scientifiques à leur disposition pour construire les meilleures pyramides possibles. Ainsi, pendant qu'une main-d'œuvre utilisait le géopolymère sur place pour construire une partie de la pyramide, une autre taillait la pierre dans une carrière avoisinante avant de les transporter jusqu'au site de construction. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous trouvons dans la construction des pyramides des pierres de différentes structures moléculaires, des pierres taillées et des pierres composées, ou des pierres avec du mortier et des pierres sans mortier. En fait, c'est une erreur de réflexion que de dire que les pyramides ne furent construites qu'avec du géopolymère ou qu'elles ne furent construites qu'avec de la pierre taillée. Car il est évident que les pyramides furent construites en partie avec du géopolymère et en partie avec de la pierre taillée. Il n'y a aucune raison de faire un choix. Bref, les deux méthodes furent utilisées en même temps pour la construction des pyramides et des bâtiments en Égypte antique à toutes les époques. Au sujet du nombre pi et du nombre d'or, voici ce que Femi Krastinki nous dit. Les Égyptiens vont aussi découvrir le nombre d'or. Ils raisonnent ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Un raisonnement simple, mais de génie. Des principes sacrés. Les Égyptiens intégreront partout les constantes universelles. Pi, le nombre d'or, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le maître. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant lui et l'ont appelée la suite d'addition. Le temple de Khéphren, le temple d'Edfou, le palace d'Akhenaton sont construits avec le rectangle d'or. Voici ce que les archéologues et égyptologues locodermes nous disent. Le service d'architecture antique est allé étudier ce monument. C'est un édicule qui a été identifié comme étant le sanctuaire qui renfermait une divinité féminine d'une grande beauté. Deuxième document qui va vous donner les dimensions principales qui nous permettent de reprendre les calculs de Piazzi-Smith sur la grande pyramide. La largeur de la tablette sur laquelle reposent les petits objets du sacrifice en avant, qui fait 14,9 cm, je prends exactement le raisonnement de Piazzi-Smith toujours, on le multiplie par 100 milliards, on obtient 149 millions de kilomètres, c'est sensiblement la distance de la Terre au Soleil. Les Égyptiens font usage, dans la construction de la Grande Pyramide, de la valeur de la vitesse de la lumière. Elle indique la vitesse de rotation de la Terre en analysant le demi-périmètre de la Grande Pyramide. Elle indique des constantes mathématiques, comme le nombre pi ainsi que le nombre d'or. Mais faut-il voir dans cette construction une intention délibérée des bâtisseurs de faire apparaître le nombre pi et le nombre d'or ? Eh bien, la réponse est très simple, elle est négative. Ils ne connaissaient pas le nombre pi car c'est un nombre qui est apparu bien plus tard que dans l'Antiquité. En réalité, les Égyptiens arrivaient à calculer l'aire du disque qu'ils approchaient en calculant l'aire d'un carré dont le côté vaut 8 neuvièmes du diamètre du disque. De cette manière, ils obtenaient une approximation assez heureuse de l'aire du disque. Alors, en ce qui concerne le nombre d'or, question classique, puisque, énormément de théories ésotériques adorent évoquer ce fameux très célèbre ou trop célèbre nombre d'or. En réalité, le nombre d'or est de nouveau un nombre irrationnel, alors que je le rappelle, les Égyptiens travaillent avec des nombres rationnels. Donc c'est un nombre particulier qui vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et si vous faites un effort, ce qui vaut à peu près en nombre décimal 1,618, dans votre salle de bain, je suis certaine que vous pourrez trouver deux longueurs, en faire le rapport et tomber sur quelque chose qui approche 1,618. Donc on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Voici ce que je dis. Si je prends ce livre que j'ai écrit et que je mesure sa largeur, j'obtiens effectivement 14,9 cm, qui, multiplié par 100 milliards, nous donne effectivement la distance de la Terre au Soleil. Ainsi, vous pourriez dire, mince, citoyen Thomas est un génie.
Même dans ses livres, il a inclus la distance de la Terre au Soleil. Maintenant, la question est de savoir si j'avais réellement l'intention d'inclure ce calcul dans la création de ce livre. La réponse est non. C'est un pur hasard. Et donc oui, il est possible de trouver des dimensions comme le pi ou le nombre d'or un peu partout chez soi. Mais cela n'est pas intentionnel, c'est le fruit du hasard. Est-ce que cela veut dire que nos ancêtres de la vallée du Nil ne connaissaient ni le nombre pi, ni le nombre d'or ? Absolument pas. En fait, aucune technologie et aucune connaissance actuelle, même les papyrus qui nous restent, ne peuvent nous dire avec exactitude le niveau de connaissance mathématique de nos ancêtres de la vallée du Nil. Je veux dire par là qu'il ne sert absolument à rien d'essayer d'estimer le niveau de connaissance de nos ancêtres sur la base des quelques papyrus qui nous restent, puisque les quelques papyrus qui nous restent ne représentent qu'un millionième du nombre de papyrus qui se trouvaient dans les temples Kami avant d'être brûlés dans la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pour cette raison que je dis qu'il est extrêmement prétentieux de dire que les calculs architecturaux de nos ancêtres de la vallée du Nil étaient des calculs simples. Je trouve même cela très arriviste pour un peuple qui est arrivé le dernier dans la civilisation et qui voit le jour des dizaines de milliers d'années après la construction des pyramides, de dire « Ah mais c'est tout simple ça, il suffit de faire ci et de faire ça et le tour est joué ». Mais si c'était aussi facile de construire des pyramides, pourquoi n'ont-ils pas construit de pyramides ou de bâtiments de même envergure chez eux ? Les pyramides, à l'instar de la Tour Eiffel et de la Basilique Saint-Pierre, n'ont jamais eu besoin de rénovation annuelle pour tenir debout. Et puis, de toute manière, dois-je vraiment rappeler le fait que tous les bâtiments qui existent en Europe sont en fait des copies des bâtiments qui existaient chez nous. En fait, il faut garder en tête que nous, Africains, le peuple noir et multimillénaire que nous sommes, depuis que les peuples gréco-romains ont brûlé nos papyrus à Alexandrie, nous avons régressé sur le plan scientifique et même civilisationnel, au point où nous ne pouvons même pas expliquer à nous-mêmes et aux autres comment nos ancêtres ont bâti ces monuments, qui sont notre héritage. C'est un peu comme ce qui est arrivé aux Arabes, qui ont transmis la science, les mathématiques et l'architecture à l'Europe, mais aujourd'hui ont tellement régressé sur le plan scientifique que ce sont les Européens qui dominent dans les sciences pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Ainsi, dire que nos ancêtres ne connaissaient pas le nombre pi ou le nombre d'or est tout simplement se suffire à soi-même et minimiser les réalisations de nos ancêtres par orgueil pour se donner un poids qu'ils ne possèdent pas. D'ailleurs, c'est la même méthode qui est utilisée pour dater l'âge de Kama. Là où Kama a au moins 35 000 ans, ils disent qu'elle n'a que 5 000 ans. Pourquoi ? Parce que eux sont apparus seulement 5 000 ans avant l'an zéro. Et comme ils affirment que l'Égypte antique était le coderme, alors les dates doivent coïncider. Sinon, la supercherie ne marche pas. Le but de ma démarche à travers ces trois vidéos était de créer une provocation intellectuelle. Oui, les intervenants que nous avons écoutés sont des individus qui maintiennent que Kama, l'Égypte antique, était le coderme. Mais, et alors ? Nous savons déjà que Kama était négro-africaine et nous n'avons pas besoin qu'il soit d'accord avec nous ou qu'il le confirme. Ainsi, mon but était de soupeser la qualité de personne que nous sommes actuellement. Et voici ma conclusion. Un tiers de ceux et celles qui ont regardé les deux premières vidéos ont clairement exprimé le besoin de s'abstenir, de donner leur opinion, car ils attendaient de regarder toutes les trois vidéos afin d'avoir l'information globale pour mieux exprimer leurs pensées. Cette démarche est tout à fait louable. Je vous tire mon chapeau. Un tiers de ceux et celles qui ont regardé les deux premières vidéos ont immédiatement défendu le travail de Femi Krasniqi avec véhémence, comme si leur vie en dépendait.
Ce comportement revient à ce dont je parlais dans l'introduction de cette vidéo. Suffit-il qu'un quelconque individu, qu'un quelconque locoderme, quelque part dans le monde, confirme ce que nous savons déjà pour qu'il fasse partie des nôtres? Sommes-nous si fragiles à l'intérieur au point que nous avons besoin de l'appui des autres? Quand Job Shekanta parlait de l'Égypte antique, les Africains ne le croyaient pas. Même les panafricanistes ne le croyaient pas. Maintenant que nous avons acquis quelques connaissances, quand Femi Krasniqi parle, vous le croyez? Vous ne trouvez pas étrange d'avoir un tel comportement? Et enfin, un tiers de ceux et celles qui ont regardé les deux premières vidéos ont dit ne croire en rien de ce que les historiens européens affirment et m'ont demandé pourquoi je n'apportais pas mes propres conclusions comme j'ai l'habitude de le faire. À vous, je vous tire mon chapeau. Vous avez compris la démarche. C'est aux Africains de raconter leur propre histoire. Un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, j'en tire la conclusion suivante. Nous sommes un peuple intelligent, descendant de grands bâtisseurs et des premiers et seuls civilisateurs de ce monde, mais dans le temps comme dans l'espace, nous avons perdu en prestige et en connaissance, au point que, à travers les âges et les différentes colonisations, nous nous sommes fragmentés et morcelés en agrégats disparates, disparates en connaissances, disparates en convictions et surtout disparates en logique et en science. Toujours en proie à des religions, à des paradigmes culturels, à des modes de pensée extérieurs et étrangers. Au point où seulement un tiers d'entre nous ne daigne écouter jusqu'à la fin avant de se prononcer. Au point où un tiers d'entre nous garde inconsciemment des réflexes d'aliénés qui défendent toute image ressemblant à celle du Christ ou à celle de nos colonisateurs. Au point où seulement un tiers d'entre nous a compris que c'est aux Africains de raconter leur propre histoire. Et enfin, au point où aucun de ceux et celles qui ont laissé un commentaire dans les deux premières vidéos n'avaient le niveau scientifique requis pour pointer du doigt les erreurs flagrantes de Pyramide K 2019. Ce qui veut dire que ce que notre illustre ancêtre, Job Shekanta, disait reste encore vrai. L'Afrique se meurt par manque de connaissances, par manque de science. Sur un continent de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique ne représente aujourd'hui que 2,4% des chercheurs dans le monde et 2,6% des publications scientifiques. Je m'appelle Cédoyen Thomas. Merci pour votre participation et votre contribution. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.